Hey yo les gens, c'est Gigi, on se retrouve pour la review de l'épisode 141 Arc 5. Le reboot, c'était hier, alors je vous parle parce qu'on est lundi. Le reboot d'Arc 5 a commencé. Et apparemment c'est bien... Comment dire, c'est bien déroulé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Enfin, le reboot a eu lieu et c'est confirmé que c'est un reboot et tout, avec ce premier épisode. De l'espèce de nouvel arc, je sais pas si on peut même, je sais même pas si on peut appeler ça un nouvel arc en fait, mais en tout cas c'est sûr que ce sera le dernier, et voilà, et un épisode qui a été très mal animé, il faut, je suis obligé de le dire, on l'a vu avec Fla et tout, parce qu'il était chez moi, et on a franchement, il y a plusieurs moments de l'épisode où on a vraiment, on a un peu, bon, on a un peu exagéré, on a fait les requins, mais on a un peu gueulé devant notre écran en disant « Putain, mais c'est inadmissible de proposer une qualité comme ça d'animation, mais bon, voilà. » Et voilà, donc c'est un épisode qui a été très mal animé, et en même temps un épisode qui était pas mal intéressant, mine de rien. Mieux que je ne l'aurais cru, je vais être franc avec vous, mieux que je ne l'aurais cru, parce que je pensais vraiment que ça allait être un total reboot d'un épisode de la saison 1 ou un truc comme ça et tout, surtout qu'au début en fait de l'épisode, avant l'opening, qui est donc l'opening 6, hein, on a eu l'intro de la saison 1, c'est-à-dire que l'intro spécial Entertainment avec Yusho, le texte de Solid Vision, etc. On a eu cette intro-là et sur le coup on a paniqué, parce qu'on s'est dit, ils ont pas fait un total reboot, et genre ils ont mis la saison 1, enfin, ils ont mis le générique de la saison 1, mais en vrai, on en a parlé et tout après, s'il l'aurait fait, ça aurait été génial, parce que ça aurait fait vraiment l'idée totale du reboot, ils seraient allés au fond du truc, et en vrai ça aurait été cool. Ils l'ont pas fait, bon, c'est pas grave, au moins voilà. Du coup, on va commencer direct, je suis désolé pour ces deux petites minutes d'introduction, mais ça me paraît assez utile. Donc, au début de l'épisode, on a Uya qui se réveille dans sa chambre, à Miami City, donc, en criant qu'il est en retard, etc. Bon, voilà. Et c'est un Uya complètement con, qu'on a un peu comme au début de la saison 1 et tout, et je sais que quelqu'un dans les commentaires de la review précédente m'avait dit que ça le ferait chier si jamais on voyait... si jamais leur esprit aussi serait reboot, c'est-à-dire que bah, Yuya redeviendrait très con, et que ça le ferait chier et tout, parce qu'il aime pas Yuya quand il est con, bon, désolé pour toi mec, mais voilà, ils t'ont pas écouté. Et donc en fait, bah, Yuya prend son petit déjeuner, il arrive à la Yusho School, etc. Ou à ce moment-là, il y a Shuzo, qui est donc le père de Yuzo, hein, qui le frappe avec l'ancienne espèce d'éventail, en fait, que Yuzu portait avec elle constamment, là, avec qui elle s'amusait à frapper Yugo, Yuya, etc. Et en fait, il le frappe comme ça à cause de son retard. Et le truc, c'est que à ce moment-là, en fait, les deux, c'est-à-dire que Yuya et Shuzo, se demandent d'où il vient, en fait, ce fameux éventail, parce que en y réfléchissant, ils n'en ont aucun souvenir. Voilà. Et il se passe la même chose, en fait, avec les bottes de Yuya, si on peut appeler ça comme ça. En fait, il y a Futoshi, qui est le petit gros insupportable, qui voit en fait que Uya a les fameuses bottes que Allen lui a passées en fait quand ils étaient à Arslan, souvenez-vous, avec ces espèces de mini-roues là, comme sur des vélos. Et en fait, pareil, Uya, sur le coup, il dit que c'est quelqu'un qui lui a donné, mais impossible de savoir qui, et il ne se rappelle pas. Et du coup, voilà. Donc, trêve de bavardage, tout ça. Shuzo les envoie se battre en duel tous les quatre, parce que, alors, j'ai pas compris, parce que c'est dimanche, mais ils ont un truc spécial à l'école, et donc, du coup, il doit y aller quand même. Voilà. Enfin, il y a la mère de Uya au début, quand il prend son petit-déj, qui dit que c'est dimanche, et que donc, normalement, il a pas cours, mais bon, ça, au pire, c'est un détail. Et en fait, donc, Shuzo les envoie faire un duel à quatre, c'est-à-dire que les trois enfants contre Uya. Et en fait, il lui explique que c'est comme ça qu'il pourra progresser pour être au niveau du célèbre dueliste spectacle en la matière de Yusho. Et en fait, à ce moment-là, je me suis interrogé parce que il a pas dit, par exemple, il y a eu aucun lien de parenté évoqué entre Yusho et Yuya. Et sur le coup, je me dis, est-ce que c'est normal? Et du coup, Yuya et Yusho ne sont plus père et fils, ou est-ce que ou est-ce que ça a juste pas été dit? Mais sur le coup, ça m'a vraiment intrigué, et je sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression que
ils ont peut-être enlevé ça. C'est peut-être moi, hein. Ça vient peut-être de moi et tout. Peut-être qu'ils sont toujours père et fils et tout. Ce serait étonnant du contraire, mais on ne sait pas. Donc, je sais pas. Sur le coup, ça m'a fait m'interroger personnellement. Voilà. Peut-être que c'est pour rien, mais on verra bien. Donc, le duel, je vais passer brièvement dessus, hein, parce que les duels de cet épisode et de l'épisode à venir, on va être franc, on va s'en foutre. Yuya commence avec deux magiciens pendulum et tout, il invoque trois monstres dont Dice, voilà. Donc c'est au tour de Tatsuya, et ça j'ai préféré le relever parce que c'est quand même assez cool, entre guillemets. Tatsuya c'est le petit avec les cheveux bleus là, qui place deux échelles de pendulum 1 à 10 et il invoque deux robots bureaux. Et les robots bureaux c'est un archétype assez cool et qu'on voit enfin dans Arc 5 et c'était pas du tout prévu, et donc voilà, c'était juste, j'avais envie de le dire donc je l'ai marqué, voilà c'est tout. Et en fait, à ce moment-là, on a un petit plan sur Reggie. Reggie qui apparemment est le... Enfin, pas le seul, mais n'a pas perdu sa mémoire, lui. En fait, il explique que ce monde, là où il se trouve, donc, était anciennement connu sous le nom de la dimension standard. Et que, en gros, il a renaquis sous le nom de Dimension Pendulum. Oui, de Dimension Pendulum. Fallait le dire en anglais, bon, les accents, tout ça. Oui, que, en fait, le monde aurait renaquis, soi-disant, sous le nom de Dimension Pendulum, depuis ce fameux jour. Voilà. Donc c'est un peu bizarre, mais ça explique en même temps pourquoi est-ce que bah maintenant Tatsuya, etc., maîtrise l'invocation Pendulum. Du coup, voilà, donc Yuya ne serait plus le seul. Enfin. C'est assez bizarre mine de rien, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il manquait une dimension Pendulum, même si Standard remplissait un peu ce rôle. Mais du coup voilà, après à voir aussi, est-ce que du coup il n'y a plus que les Pendulums dans Standard, ou est-ce que maintenant il y a aussi les Pendulums et tout le reste comme avant. Ça c'est aussi une question que je me pose. Donc voilà. Donc Yusho, enfin non, pourquoi j'ai marqué Yusho, c'est pas Yusho, c'est Shuzo, pardon, arrête le duel en pleine partie en fait, parce qu'il y a un message important de la LDS qu'il a reçu et qui est pour lui en fait. Et en fait apparemment ce message dit que s'il gagne un certain duel apparemment ou un truc comme ça, il pourrait s'inscrire à la LDS et devenir pro plus tard. Enfin ça pourrait l'aider pour devenir dueliste professionnel plus tard. Voilà, donc le retour de LDS aussi. Et en fait sur place, Yuya s'aperçoit que Gongenzaka et Sawatari, eux aussi ont été invités là-bas. Et du coup, il y a Reggie qui arrive pour informer en fait les trois que avant de participer au championnat junior, qui est donc bien évidemment comme dans la saison 2, ils devront s'affronter dans une battle royale à Miami City. Voilà. Donc battle royale entre eux et d'autres duelistes apparemment. Et en fait, dans le stade, après, on a Nico, le retour de Nico, qui a, vous savez, le fameux personnage un petit peu con qui a la moustache d'Hitler et tout, bah c'est Nico. Bon, il est un peu. En vrai, il est stylé, Nico, moi j'aime bien. Donc Nico annonce les participants qui sont donc Yuya, Gongenzaka, Sawatari, ainsi qu'un dernier participant mystère. Donc ils ne sont que 4. C'est très con, mais voilà, pourquoi pas. Et donc ils se retrouvent alors dans la partie de terrain de lave en fait, c'est le même en fait, c'est le même terrain qui avait été utilisé durant la saison 2 en fait, là où il y a eu l'obélisque force et tout, vous savez, il y avait la ville avait été divisée en 4 terrains, il y avait une zone glace, une zone lave, une zone forêt et une zone désert avec des temples et tout, là où Sora avait battu Shun devant Serena. Il y avait la zone forêt, c'était un peu naze parce que c'était avec Michi et je sais plus qui là. Bon, on s'en fout un peu. La zone de lave, c'était là où il y avait eu tout le rassemblement des anciens Lancers qui étaient nuls à chier contre l'obélisque Force. Et la zone de l'iceberg, c'est là où il y avait eu les débuts de Yuli. C'est vrai que il y avait eu les débuts de Yuli. Et il y avait aussi Hugo qui avait dit un truc du style oh merde, on est de retour à l'ère glaciaire et tout. Enfin, c'était n'importe quoi, mais il m'avait fait mourir de voir ce con. Et c'était pas dans l'épisode, hein, mais je me souviens des épisodes d'avant et tout, parce que je les avais revus et tout il y a quelques semaines. Et du coup, voilà. Ça me fait marrer d'y repenser. Bref. Et en fait, à ce moment-là, au moment de commencer la bataille royale avec. Eux, ils se retrouvent dans la zone de lave, les trois. En fait, le pendulum de Yuya commence à vaciller, et en fait, il explique qu'il a déjà ressenti ça quelque part. La zone, etc., il a déjà vu ça. C'est quelque chose qu'il connaît en fait, mais il est impossible de se rappeler de comment, pourquoi, où, voilà. Donc voilà. En fait, le quatrième du liste se révèle être Tsukikage. Il arrive comme ça et tout, il fait un petit speech et tout. Donc, Tsukikage de retour, pourquoi pas.
Et en fait, vous allez voir que ce duel n'a pas trop de sens parce qu'ils vont tous focus Yuya. Et ça, j'ai pas compris pourquoi. Parce que c'est le héros, parce que, enfin, je sais pas, ça a pas d'intérêt surtout. Même Gonganzaka va focus Yuya et je comprends pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. En fait, donc Yuya commence le duel en invoquant son hippo, son fameux hippo là où il fait son spectacle avec lui en lui montant dessus, etc. Et il lui pose deux cartes, il finit son tour, basta. Savotare lui invoque un monstre et il attaque le hippo qui du coup évite l'attaque grâce à une action card. Gonganzaka lui il invoque un monstre et il le sacrifie directement de ce que j'ai compris pour invoquer Bing Bang Kei qui a donc 3500 de défense et on rappelle que les monstres de Gonganzaka frappent avec leur point de défense donc c'est pété. Et donc il attaque le hippo de Yuya également. Et en fait, Yuya active une de ses cartes face cachée qui est une carte magique rapide en fait qui invoque 3 jetons hippo et en fait tant qu'ils sont sur le terrain ils ne peuvent pas attaquer d'autres monstres donc ils sont obligés de focus les hippos. Voilà. Tout simplement. Et donc Tsukikage, à ce moment-là, en fait, il se met à gueuler, mais vraiment, il te sort un speech en gueulant sur Yuya à moitié, surtout. Enfin, à peu près sur tout le monde, en fait, parce que c'est retransmis aussi dans le stade. Et c'est un passage que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, il hurle en fait qu'il est temps de se souvenir du championnat de Miami que tout le monde avait oublié. Mais vraiment tout le monde. C'est-à-dire que Yuya, Sawatari, Gonganzaka et tout le stade, tout le monde avait oublié le championnat de Miami. Mais vraiment tout le monde. Et en fait, au moment où il a dit ça, ils se disent, putain, il y a eu un tournoi? Ah mais oui. Enfin, c'est un peu con, mais ils se souviennent comme ça en disant ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça et ça et ça et tout. Et on a Sawatari Gonganzaka qui évoque des détails, par exemple les débuts de l'Obélisque Force qui ont été envoyés par Léo d'Academia, etc. Enfin, il y a eu plein de petits détails et tout, donc ils se souviennent vraiment de tout. Et sur le coup, on a un plan sur Reggie en fait avec Layla qui est donc le fameux bébé en fait, le fameux bébé de la poussette. Ce n'était pas Yuzu ou quoi que ce soit, c'était bien Layla. Il y en a beaucoup qui l'avaient deviné. Et d'ailleurs, le bébé de Layla est très très moche, il faut se le dire. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire. Et donc confirmation que Layla est une fille d'ailleurs, parce que ça n'avait pas été dit depuis le début de l'animé. Et là, on a enfin la confirmation que Layla est une fille. Voilà, donc Layla n'était pas un mec. Qui n'avait pas mué ou quoi que ce soit, c'était vraiment une fille depuis le début. Donc voilà, apparemment, je ne sais pas. Je dois vous avouer être assez confus de cette news, mais bon, pourquoi pas. Et en fait, Reggie dit que si Yuya en fait est le seul qui peut apparemment faire sourire Layla. Et voilà, je comprends pas, j'ai pas compris Reggie dans cet épisode, je dois bien vous avouer. Et en fait, à ce moment-là, Yusho arrive auprès de lui et de sa mère, en fait. Et voilà. Il y a Yusho qui arrive derrière eux. Et en fait, ils sont dans le bâtiment de la LDS, tout simplement. Et la mère de Reggie aussi, elle est bizarre parce que elle a l'air très pas gentille, mais limite fragile, en fait. Enfin, fragile dans le sens de l'insulte, en fait. Mais vraiment, enfin, je suis désolé, mais je sais pas, les. On l'a connue dans la saison 1 et tout, c'était une daronne, elle emmerdait tout le monde et tout, et là, elle a l'air de. C'est limite, c'est à chialer à toutes ses phrases en fait, c'est très étrange, je ne sais pas, je ne sais pas, je dois bien vous avouer, non, je ne sais pas. Bref, et donc, on retourne dans le duel, Tsukikage place deux échelles de pendulum, lui aussi, du coup, il a des pendulums, de 1 à 10, et il invoque deux monstres, il active une carte magique aussi, qui est une carte continue. Et en fait, il prend l'action card qui était visée par Yuya pour se protéger. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, Yuya du coup sentait qu'il allait se faire attaquer, donc il est parti chercher une action card. Tsukikage lui a prise sous la main et il s'en défausse en fait pour lui infliger 300 points de vie avec sa carte magie continue. Et de plus, grâce à un de ses pendulums, il inflige de dommages perçants. Donc voilà, on rappelle que les jetons de Yuya ont bien évidemment 0 de défense. Et du coup, il attaque également avec son second monstre et qui active en fait l'effet de son second pendulum qui peut lui aussi donner des dommages perçants en copiant l'effet du premier pendulum plus en lui donnant 500 points d'attaque supplémentaires. Voilà. Donc, du coup, si Yuya se prend cette attaque, il perd le duel. Voilà. Et l'épisode se termine comme ça. Et j'ai vraiment pas aimé parce que c'est. On s'en fout en fait. On n'a pas besoin de voir un duel. On veut juste de l'histoire. On veut juste des réponses. Et on n'a pas besoin de voir un duel pour ça. Donc c'est pour ça que. Je vous le dis.
Ça m'a vraiment fait chier de noter ce duel pour la review, là, de prendre des notes pour ce duel. Ça m'a fait chier parce que je voulais pas, en fait. Moi, ça m'intéressait pas, franchement, de voir un duel. Peut-être que pour vous aussi, peut-être pas. Peut-être que, dans le sens où, moi, d'habitude, j'aime les duels. Hein. Je suis pas la personne qui va regarder R5 que pour l'histoire. Moi, je regarde aussi pour les duels. Sauf que, on est rendu à un moment, en fait, où, je sais pas comment expliquer, mais à ce terme de l'histoire, et vu le peu de nombre d'épisodes qui restent, on veut juste des réponses, et les duels qui sont à côté, surtout quand c'est des duels pseudo-remake comme ça, ça m'intéresse vraiment pas, quoi. C'est vraiment... Non, je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser, et je me dis c'est de la perte de temps, en fait, c'est plus du comblage d'épisodes qu'autre chose, et j'aime pas ça, donc j'avais vraiment pas envie de prendre des notes, surtout que Tsukikage faisait des espèces de combos et tout, et ça m'avait fait chier d'écrire ça pendant 5 minutes, je dois bien vous avouer, je préfère être un avec vous, mais du coup, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai un peu passé la chose et tout. Mais bon, bref. Donc c'est comme ça que je termine l'épisode. C'est assez décevant parce qu'on n'a pas vraiment eu de réponse. Mais visiblement, on en aura dans l'épisode précédent. Parce que, en fait, l'épisode suivant, pardon, pas précédent. Parce que la preview nous montre que Yuya, en fait, va apparemment se souvenir de toute sa vie. Visiblement, ou presque. Enfin, il va surtout se souvenir de ses voyages à travers City et Arslan, là où il avait affronté Jack, les Riding Duel, il avait affronté Aster, dans une cage et tout, il va se souvenir de tout ça. Mais impossible de se souvenir, par contre, qu'est-ce qu'il cherchait en allant à chaque fois là-bas, en allant à chaque fois à City, Arslan et tout, impossible de se souvenir qu'est-ce qu'il cherchait. Donc bien évidemment, il cherchait quoi? Il cherchait Yuzu, hein, évidemment. Mais impossible de se souvenir de Yuzu. Voilà, en gros. Et Shuzo, quant à lui, on voit que dans la preview, il rentrera dans la chambre de Yuzu, visiblement, qui est absente. Et il a l'air étonné, comme si... oh, bah c'est vrai que j'ai une chambre au premier étage, allons voir ça. Ah merde, mais c'est la chambre d'une fille. J'ai une fille. Enfin, genre, le mec, ça en est rendu compte maintenant, tu vois. Donc tu sens le truc ultra con qui arrive. Mais bon, on verra bien ça la semaine prochaine. Mais voilà. Et donc, ça fait un petit peu écho à une pseudo... théorie que j'ai lue, je sais plus si je vous l'avais dit, mais c'est quelqu'un qui disait qu'en fait apparemment Layla du coup en lui il aurait possiblement les autres U4 hormis Yuya et il aurait les Bracelet Girl aussi en lui en fait. Maintenant en fait tout le monde sauf Yuya serait scellé en Layla apparemment, et le fait qu'il ne se souvienne plus du tout de Yuya et Shuzo même, ça fait peut-être écho à ça. Donc j'ai vraiment... en fait, on veut des réponses. Et moi aussi, j'en veux. Mais du coup, on veut plein de réponses. On veut des réponses pour Yuya, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va avoir une réponse pour les Bracelet Girls et les U4 qui sont absents? Est-ce qu'on va les revoir, surtout? Qu'est-ce que Yusho fait avec Reggie et tout? Et surtout, qu'est-ce que va faire Reggie? Enfin, qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce que... Je sais pas en fait, on se pose plein de questions et j'espère que l'épisode prochain nous apportera donc des réponses. Et franchement, il faut vraiment que l'épisode prochain soit le dernier de la perte de la mémoire, on va dire ça comme ça. Parce que s'ils font traîner ça pendant 3-4 semaines et tout, c'est juste pas possible. Franchement, ce sera infernal. Donc voilà. Vous avez mon avis, maintenant j'attends le vôtre. Merci en tout cas d'avoir regardé cette review, les amis. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, malgré que l'épisode, faut se le dire, il n'était pas très intéressant. Le prochain risque de l'être un peu plus, si on a des réponses. Si on n'a pas de réponses, on se fera chier, hein, évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire franchement ce que vous pensez qu'il va se passer. Franchement, ça pourrait m'intéresser de, par exemple, qu'est-ce que vous pensez que... le plan peut-être de Reggie, s'il a un éventuel plan pour rappeler tout ça et tout, qu'est-ce qu'est devenu donc les U4 ou les Bracelet Girls, enfin il y a plein de questions comme ça qu'on se pose et je me dis peut-être que vous avez vous des théories, des je sais pas, des idées, quelque chose, donc voilà, donc ça m'intéresserait de savoir. En tout cas, merci à vous encore une fois et puis rendez-vous la semaine prochaine ou à samedi pour ceux qui regardent les reviews de Pokémon. Merci à vous et des bisous.